les phobies. Les lois bizarres. Deuxième, on a les lois cheloues, les lois les plus cheloues. Les lois les plus bizarres. On peut trouver quoi d'autre encore comme truc chelou On avait déjà. Lui, il a tout là. Ouais, les 15. Les compétitions sportives ou les sports les plus bizarres. Loufoque. Ouais. En fait, on fait les. Le plus facile, c'était les prénoms. Mais j'ai peur qu'on se rapproche trop. Non, on va parler que des Congolais, ça va être relou. Ouais, sur des prénoms blancs, ça c'est des... Bah ouais, gros, il y a des clémentines. On parle pas des clémentines, gros. C'est une clémentine, c'est un fruit, gros. Clafouti. Violette. Eh, tout le temps avec les cas, les gros trucs, là, les gros sacs, là. Tu connais les gros sacs, les cabas, les cabas. Ah ouais, les cabas, il y en a trop à Charles de Gaulle à 20h, sur la Côte d'Ivoire. Il y en a trop. J'en ai marre. Ton manif. Ta gueule. Vous revendiquez quoi? Ta gueule. Mais pourquoi? Ta gueule. Tu l'avres. Merde. C'est dingue. Bah oui. Mais d'après toi, c'est quoi le métier le plus ouf, le genre le plus bizarre? Attends, conchiliculteur. Ils sont des élèves des coquillages. Thanatopracteur. C'est quoi? Ils s'occupent des morts. C'est un peu la Christine Cordula, mais des morts. Ah, genre, ils s'arrangent en mode, t'es pas mon style des morts, mais t'as pas mon style. Brièvement, je suis en train de m'empiffrer de mes propres produits. Je consomme ce que je vends. Voilà. Normalement, c'est pas bien, mais bon. Il s'en fout, il s'en moque. Exactement. Produit américain, produit japonais, produit coréen, produit excentrique. Ouais. On aime tous ces produits. Tu vois, l'excentrique coquins. Du Nord, l'excentrique du Sud, c'est exactement. Vert, voilà. L'Irlande. Voilà. Comme ça. Là, t'as des gâteaux One Piece. C'est tous les gens qui aiment les mangas là. Sur Instagram, bientôt on va faire une dégustation en vidéo. On va voir les goûts mystiques qu'on va faire. Alors déjà moi je peux parler de ces goûts là. Non ça c'est les Cheetos pour les Tunisiens. Ah ouais, j'en ai goûté une. Tu vas transformer. Je suis allé boire 2 litres. Oh non, c'était trop. Tu vas cracher du feu. Déjà que j'aime pas le piquant. Moi de base je suis venu pour ça. Nouveauté. Ah, moi je suis venu que pour ça. Ça veut dire c'est des chocolats M&M's. Ça c'est des chocolats, c'est pas du chocolat. C'est des chocolats avec du M&M's dedans. Comme ça tu sais si t'as la flemme de les faire. Parce que je sais qu'il y en a qui les font chez eux tout seul. La première fois que je les ai mangés, je dis bon tranquille. Ça pique. Ça pique après. Oui, oui. T'as le jeune homme ça à qui? À mon beau-père. Oh le pas. Tu dis ça à ton beau-père. Mange, c'est bon. L'Ariella Chocolaterie, c'est le nom de la boutique. Et on vous a pas montré, la semaine prochaine on vous montrera la boutique des chaussures. Des chaussures. Exactement. Parce qu'il y a des chaussures pareilles là. Tu me reconnaîtras, regarde, la beubar, c'est pas le Père Noël, c'est la l'arrêté de stock. Voilà, tu vois ça là, finis sur ça parce que nous on finit sur les bonnes choses. Voilà, voilà. L'Ariella Chocolaterie, sur Instagram. Vous voyez bien que je sais même pas faire, je sais pas repasser. Non mais vraiment, je sais pas du tout repasser, ma mère elle m'a pas appris, tu vois, je veux dire. Depuis tout à l'heure, on dirait que ça chauffe pas. Je te jure, mon mail est mouillé. Mais je sais pas pourquoi. Ça rend fou les modes, hein, je te jure. Avant, on n'aimait pas les gros pulls champions. Là, maintenant, tu vois tout le monde en champion. Comme si maintenant, dans 10 ans, on va acheter des Asics, mais à gogo, tu vois. On va acheter des Geox, voilà, des Geox. Ça va revenir à la mode. Tous les trucs qui marchaient pas bien, ça revient à la mode. Regarde, lui, il a la mode maintenant, regarde. Oh,
Oh putain le con, depuis tout à l'heure je... Oh. Depuis tout à l'heure tu repasses, c'est pas branché. Mais putain je me disais bien c'était pas chaud. Il y a un pantalon qui... Vraiment il monte son pantalon. Oh, j'ai trop perdu de poids. Hi. Vous voyez pas, il c'est a un perdu mensonge, c'est juste que le jean il s'est... Voilà c'est tout. Élargi. Non il a perdu quand même, là vous le voyez. Moi aussi, tu fais bien sûr. Toi il a le seul mari, il veut que je déchire avec lui gros. Arrête ça gros. Non, c'est pour garder. T'as regardé, tu connais rien, toi. Non, ça va de même, t'es nul, hein. T'es nul, tu connais rien, c'est pour garder. Voilà, ça, c'est nul. On nous respecte. O pour OTKL, bonne représentation, Artistic Records. Voilà. Ou Hello. On ne sait pas. Non, en tout cas, c'est artistique, tout ça. En tout cas, ils ont mis la pancarte. Avec les frérots Paul Serré. Ah, ça fait plaisir. OTK, c'est quelque chose, c'est une préparation. Regardez-moi ça. De ouf, on se prépare. Il faut réfléchir à... C'est la dépression totale. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai choisi ce duo? La vie, c'est pas facile, je te jure. Il réfléchit fort. Calvin, des... Moi, je suis fatigué, gros. Ah oui, des sans manières. Non, c'est Calvin. Je viens de découvrir que ça. C'est quoi ça? Eh, les Renoirs, faut arrêter. Il faut arrêter ces conneries. Con, arrêtez de ça. T'as pas vu Calvin? Toi aussi, le poil. Stop, je parle avec lui. Écoutez-moi bien, j'ai vu ses papiers, c'est même pas Calvin. Madame, je connais votre fils, il ment. Voilà, tu vois. C'est un menteur. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un menteur. Non, dis, tu t'appelles Bijou en vrai. Non. Ah là là, allez voir ce spectacle, c'est formidable. Hypocrisie africaine, comme vous voyez, que des hypocrites. Quelques des hypocrites. Je les menacer physiquement pour faire cette promo. Je viens de les menacer là. Il y a deux minutes, je les ai menacés. Oh, faut savoir que si on n'arrive pas à respirer, la mis du axe, on dirait qu'il boit ça. Moi. Ah. Eh, c'est pas la première fois que vous voyez un Renoir avec un fer à repasser en la main. Oh, un homme masculin Renoir avec un fer à repasser en la main. C'est pas la première fois que vous voyez ça. Dites-moi la vérité. Si vous avez jamais vu quelque chose, envoyez-moi les messages, envoyez-moi les photos. Est-ce que ta trousse. Je t'ai vu arriver avec tout à l'heure, ça va ou pas? Si t'es gentil. Non, mais tu vois ou pas? Franchement, c'est. Ça dedans là, y'a rien. Bon, tout ça en fait, c'est faux parce que c'est lui en fait, il se met du fond. Il a raté le dernier casting là avec Jackie Chan, il a raté le bail. Après, il fait le mec ici. Moi je l'aime pas. C'est un menteur, il moi, se maquille. Pas de ouf. Ménage. Bon, plus sérieusement, allez voir Paul Serré, il joue tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre en même temps que nous. C'est-à-dire, si vous voulez pas venir nous voir, allez le voir lui. La fausse. Mais vu comme elle est musclée, si tu veux en retard, il va te cogner. Viens à l'heure. Venez dans les salles de spectacle. Venez dans les spectacles. Tiens, tout maquillage. Ouais, ouais. Franchement, assume. Ah non, mais assume, dis ça, ouais. C'est quoi pour ses fans? Je vais faire semblant. Oui, Cal, merci. 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 Ah oui, non. Merci, Calvin. Bon spectacle, les amis. Vas-y, quoi. À plus tard. Merci. Franchement, c'était cool et ça m'a passé un bon message. Ça m'a fait plaisir de venir. Du coup, ça veut dire que c'est un message. Pour les jeunes comme pour les personnes âgées, c'est marrant, c'est sympa. Je pense que c'est un bon message, un message de dignité, il faut être ensemble, il ne faut pas être à l'encontre de notre religion ou même de la couleur. Non, puis même en 2019, ça fait du bien d'avoir une culture de rap. Je suis ravie qu'ils fassent ça, je suis sûr que ça marche super bien, et le message est bon et c'est ça qui est le plus important. Ça permet le rapprochement entre deux populations de religions qui ne s'entendent pas et je trouve que ça fait passer un très très beau message. Non, franchement, super soirée, continuez comme ça, vous êtes parfait. Ce qui était bien aussi, c'était que derrière tout ça, il y avait un vrai message de tolérance, mais c'était une très bonne découverte. Voilà, en tout cas, bonne continuation à vous. Et je trouve que le message sur un extrait, bien évidemment, du spectacle, était très important et franchement, c'est très 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 fort. Franchement, le thème était vraiment formidable. Ça enlève beaucoup de préjugés, surtout entre les Noirs et les Arabes, les musulmans et les chrétiens. Donc, franchement, top. C'est un spectacle vraiment qui est compté de tous, que ce soit enfants ou adultes. Donc, moi, c'était marrant. On s'est bien détendu et les gosses aussi, donc c'était essentiel. Bah, au moins, les enfants, ils peuvent comprendre. Génial, on a bien rigolé, c'était trop bien et franchement, on recommande. Franchement, au top du début à la fin.